Ah voilà, alors là je te fais le sens, c'est un magnifique casque Fox. Léger, hein. Bah mais il est énorme, il est beaucoup trop gros. Ah voilà. En direct, ça c'est fait. Ah tu là je sens le truc, t'es en train de réfléchir où tu vas le coller pour faire de la récup. Ah, il est récupéré. Voilà. Mais je t'ai dit, c'est comme garder les chaussettes quand tu fais l'amour ça. Oui, j'ai vu, c'est le premier truc que j'ai vu en me levant, ça m'a gavé déjà. Bon, vous allez où là? On est en route pour Clermont, c'est l'ouverture du SX Tour, on fait un Subzorld. Hey. Bienvenue dans Subzorld, épisode 5. It's not Marcus, it's run wide and that's the lead, Pedrosa runs it wide. On est à Clermont-Ferrand aujourd'hui. On est sur le site Michelin, c'est un de mes partenaires les plus anciens que je puisse avoir. J'ai commencé les tests pour Michelin, j'avais 14 ans. J'ai développé pour eux déjà quand j'étais sur une 85. C'est surtout une marque qui me tient à cœur parce que c'est français. On est aujourd'hui le 23 juin, demain c'est le 24. C'est la première épreuve du SX Tour, championnat de France Supercross. On est prêt, on a une moto aux couleurs Michelin. C'est une Honda, elle est bleue et je vous laisse admirer ça. Même elle est bonne. À se faire une hernie avant la course. Ah ouais. Ils sont pas très bien sûr. Non. Eh ben tu lui dis moi. Libérer un petit peu. Ça va, ça suffit pour ce week-end? Franchement, on passe. Ouais, on a du testing. Le but c'est d'enlever 15 crampons à chaque pneu. Donc on est là jusqu'à lundi. Regarde bien. Mon avis, ça a l'air blanc. Comment? Blanc. Oh, tu te salis ton t-shirt. Non. La manche. Allez, on va signer le bon. Et là, du coup, ça va être plein, 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 plein. C'est le jury. C'est quoi la note? On peut féliciter le travail de Frédéric Sandjouli et de GDFO, là, ça le coup. Patrick a... Vendredi 17h40, pas de track hold, juste on ziote des tribunes. Je crois que tu peux montrer ton bidon. Je peux il pas le là. Cacher, si oh, c'est tout ça. J'ai un truc dans les dents. C'est ça que je veux. Alors si tu cherches un cadeau pour Noël, tu vois. Admettons, je t'achète ça. On va le mettre où? Dans la chambre du bébé. Je trouverai la place, t'inquiète pas. Dans la chambre du bébé. Tu lui donnes des biberons à 4h du mat, mets-moi un simulateur à côté, tu vas voir. Il faut savoir, je sais pas si vous avez loupé la news, mais Michelin travaille sur un pneu voiture qui roule sans air. Sur nos routes, c'est une petite révolution des pneus sans air. Non, pourquoi tu rigoles? C'est vrai. Dans un... Pas pour vous deux, hein. C'est un pneu sans air. Sans air? Ouais. Il n'est pas gonflé, il n'y a pas d'air dedans. Ah bon? La pression est surtout finie. Tu prenais pour un fou. Vous les avez montrés. Non, mais j'ai la vidéo de l'autre en tête qui roule à l'eau et au pneu en béton. Ah, okay. Ouais, faites pas comme Villebroquin à rouler pneu béton. Non. Rouler des bons Michelin. Ouais, donc Michelin travaille sur ce pneu, pneu du futur qui est plein d'alvéoles. Il y aura plus de crevaisons, une meilleure absorption des chocs et surtout une tenue dans le temps décuplée. On a perdu ton mécano là. Je veux ce siège. Je le veux celui-là. Trop bien. De gravité et d'avoir une très très bonne stabilité. Sur de l'eau froide, peut-être pas. Mais ce qui est intéressant sur ce genre de bécane, c'est que tu vois, avant ça roulait beaucoup. Avec... Tout le support roadbook en carbone. Et ça, après, t'as vu, ils retravaillent. Ils ont été pas vides. Tu comprends quelque chose là, au roadbook? Ben, là, tu te dis, c'est 293e. Kilomètres de la spéciale. Par contre, tu vois le coût de moyenne, etc. Moyenne de 150 km. Ça, tu vois, t'as l'arbre, tu passes à gauche. Ah, c'est fou. Hein. Avec ces boutons là, et tu fais avancer le robot. Donc, il faut regarder ton cap,
faut regarder le kilométrage que tu as et faut quoi que ça coïncide avec ton roulement de papier. Ah ouais. On voit pas. Je vais les oublier. T'as un sac à dos toi? Ouais. Un sac à ventre. Il est 19h, on se dirige vers l'hôtel Campagne à Clermont-Ferrain. C'est pas trop grave si on se couche tard, demain il n'y a rien jusqu'à 10h, je crois. C'est quoi? C'est du jet 27? Ouais. Un jet ferry. On attend Jules Piètre. J'adore les motos. C'est les minutes de l'accro vers Toulon en fait. Ils ont tellement l'habitude de passer par Toulon et perdre des minutes que c'est pas les mêmes jets. Vive les motos électriques. C'est toi qui lui apprends pour l'heure parce que normalement c'est toi en retard. Ouais. Tout le temps. Non, ça va. Il n'est pas en retard, lui. De quoi? Souvent, bien sûr, ce matin j'ai attendu qu'il. Sophia est témoin. J'avais rendez-vous à 8h chez le coiffeur. Je me lève à 7h30. À 7h45, texte au coiffeur. Ah, j'ai déjà quelqu'un, viens à 10h30. Bon ben. Yulda. Il est derrière. Mais... La nutrition par Jules Piètre. Elle cherche. Waouh. Waouh. Ça passe pas. Il insiste. Merde. Bon, du coup, DNF de carte, t'es deg là. Ah, vraiment. Pour ça, t'en avais perdu. On va lui demander, parce que 16 divisé par 4. Non, piège-le avec autre chose. Bah, il sait pas, 16 divisé par 4. On va lui demander l'inverse. 12 divisé par 4. Vas-y, 3 fois 9. Eh, 3 fois 9. Jules, réponds. 3 fois 9. Allez, 3 fois 9. Tain, t'as 9 doigts pourtant, voilà, c'est voilà facile. Comment bousiller une saison en 2 secondes. Elle a le ventre posé sur le caddie, l'autre fait 80 kilos, il se met dedans. Tu rentres ou quoi? Attends, ah, le truc c'est, je l'ai déjà fait. Non mais tiens-le. Quel résultat là, Jeff? Grand fundo, mon Ventoux. 98. Menteur. Allez, 100 après le reclassement. Voilà, voilà, donc t'as fait 100ème, t'as pas fait 98. Ouais, ça va. Le premier classement, j'étais 98. T'as pris la grêle en haut du Ventoux? Non, ça va, ça va. Il faisait beau. Il était où, Toto? Il était pas là, il était avec... Avec sa femme. Demande à ta femme. On était, on dormait. Dis donc, où on était? Et du coup, on est... Ah ouais, c'est vrai, il avait fait soirée. Là, en fait, sous, vous voyez son vlog qui fait 28 minutes là. Ça sera accéléré parce que tu parles trop lentement. Voilà. Mais il va couper toutes les parties, mais lui, quand il monte le vlog, il va écouter 4 heures de vidéo. Exactement. Jules, tu penses qu'on devrait. Arrête. Tu penses qu'on devrait l'appeler comment le petit? Jules. Même coupe que Fleu et on va l'appeler Adolphe. Qu'est-ce qu'elle a, meuf? Putain, je vais me faire censurer, je vais pouvoir monétiser là si je laisse ça. 11h, on va se coucher. RBDC, ouais. Qui est pas réellement dans le team, c'est le seul qui porte le t-shirt. Hein. C'est un vente sur le site Zoom's Web. Commandé. Fais un tour sur ta main, mais. Oh. Chut! Les gens qui veulent dormir. Allez, c'est cherché, je te jure. Allez, bonne nuit. Non. Petite moustache. Je l'ai coupé. Non, mais c'est dégueulasse. Est-ce que je vais prendre une assiette. Oh, demandez-le, à savoir si c'est arrosé du bacon. On le voit, le sportif. Vas-y, expliquez-nous la situation. Toi, je sais pas ce qui s'est passé, ça s'est arrêté d'un coup. C'est à cause de Thomas, je pense qu'il est trop loin. Non, en fait, ils ont fait les niailles.
Ils ont sauté pour s'amuser. Voilà, petite clé. On est bloqué au 1 alors qu'on est Naomi 2. On est bloqué dans l'ascenseur. Nous, ils ont vraiment bloqué là. Je crois. Je suis pas très calme. Je meurs. Oui, ils sont bloqués. Je comprends pas, madame. De quoi? D'accord. Faut poser esprit pour des techniciens, quoi. Il faut une clé de 8, les gars. C'est très, c'est très. Oh, putain, on vous entend, non? Ils ont fait un petit saut de 10 cm et ça s'est bloqué. Il est là. Non, mais... Une heure. Ouais, je suis là, les idiots. C'est qui a sauté? À ton avis. On est quatre. Jules, Fleufeu? Bah, dans l'ordre, les deux. Tout est fait. Oh, il se rend, fait... Oh, comme ça balance, on saute et il se cale comme ça, mais tu vois, genre. Et t'as Jules qui fait genre ça, et il se passe rien. Et là, Fleufeu fait comme ça, et là, boum. D'habitude, à Aix-en-Provence ou quoi, si ça bloque, ça repart direct. Y'a pas une norme d'oxygène. Bon, allez, faut que j'aille faire mon réveil musculaire. Déjà? Eh ouais, vu qu'on a la bourre là. Je vous présente la 4,5 aux couleurs Michelin. Voilà. Voilà, on va faire les photos pour la communication du SX Tour avec les maillots, les lunettes. Ça, c'est nouveau cette année, c'est cool. Thierry, les photos, on m'a dit descendre à droite. C'est quel escalier? Pardon. T'aimes voir les gars torse nu, tout ça. Ça y est, on est dans l'enceinte du stade. Donc ce soir, c'est plein. 16 000 personnes prépayées. Donc c'est incroyable. Pour le SX Tour, il y a Josh Hill en pilote américain. Donc ça va être cool. Ça va faire du gros, gros, gros level. La même hauteur, quand même. J'ai récupéré la talarie à 4 000 aussi. Oh putain, j'ai les deux à la maison. Capello, ça le fait ou pas? Bah oui, moi non. C'est qu'il faut que je motive. Là, c'est... Elles sont deux. Moi, c'est entre la 3 et la 4. Là. Petit aperçu du terrain. Partie départ. On a 6 grosses lignes en fait sur le terrain. Là, c'est. Putain, mais ça a vachement séché en fait. Putain, on ne savait pas qu'il a plus. Premier saut dans la récep. Qu'est-ce que tu veux, ce mec, à me suivre? Bah, faire des vidéos, des interviews, tout ça, enfin, tu vois, assurer la promotion du SX Tour. La 52, obligatoire. Elle est très jolie, bah, comme toutes les motos de Cyril Soubeyras, toujours très jolie. Différente. Toujours bien travaillée. Toujours différente. C'est pas très beau, ce micro, quand même. Non, mais tu sais, là, vu que tu m'as fait la réflexion, du coup, ouais. Je suis sûr, on va le perdre, je veux dire. C'est sûr. Là. Tu veux que je me reviens? Ouais. Non, mais là, j'ai passé un peu. Ah, ouais, non, mais... d'origine, ouais. Encore un peu. Tu peux aller, vas-y, beaucoup même. Encore. Ouais, 5-4, on est 5-4, on a le bon écartement. Putain, les bottes, elles iraient bien avec ta tenue. Attends, elles sont on monte quand même. C'est incroyable, il arrive comme ça sur une course. T'as pas honte?
C'est libre ça va. Par contre, c'est chiant qui nous oblige à mettre ça. Ah ouais, c'est casse couille. Attends, je vais laver les bols, j'arrive. Infatigable, celui-là. Voilà, les 125, ils ont 30 buts, mais c'est vraiment libre. Sans pression de chrono, c'est une première aussi en session parce que le terrain est quand même relativement grand. Mais bon, pas qu'ils aient de pression, ils leur ont fait 30 buts tranquille, ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent même couper la piste pour refaire un entraînement, ils font. Non, je suis en descente. Ouais, tu prends la ski. Je suis en descente. Regarde, tu arrives là. T'as la 4 avec toi? La 4 quoi? La clé. La 4. 4. La femme qui te cherche, là, elle est passée là. Elle est fan absolue. Elle est complètement fan. Elle est fan. Comme je vois que ta femme, elle prend un peu du bidou, tu vois, ça peut peut-être... Je sais pas, au cas où, tu vois. Bon, on a reçu un petit cadeau pour Minisou, là. Le futur. Trop gentil. Trop gentil, merci beaucoup. On ouvre, on direct live. Fox. Oh, mais non. Oh là là. Il est beau. Un tel si bon couteau. De la part de Seb, Anne, Pablo et Lucie et Danko, ben merci beaucoup. Wow, flambant. Embarquez directement sur le casque de Cédric Souberas pour le Bobcat Onboard Lab. C'est parti!
Ça vous a plu? Rendez-vous ce soir. Ouais, sous les applaudissements du public, mon pote. On va vite voir Joachim. Vas-y. Il y a ça, un retardement très léger. Les hoops, ils sont chauds. J'ai pas voulu prendre de risque dans les hoops, mais... J'ai sans toi. Tu vas voir. Faut qu'il me baisse l'arrière encore, putain. Qu'il baisse l'arrière? Ouais, pour les hoops, il est trop. Faudrait, à mon avis, faut qu'on parte à 102, 103 en précharge. Et en fait, faudrait qu'on... Autant, vas-y, viens, on regarde si ça s'est pas trop tendu à chaud, là. Tout à l'heure, on était à 36. Putain, on est à 31. Ah, c'est fini. Face à toi. Pour moi, c'est un peu tendu, là. Ah ouais, on est à 96. Ouais, toi. 96. Bon, c'est bon. C'est grave tendu, hein. Alors, ce qu'on fait, c'est que quand Peter revient, je lui dis les... touche à rien pour l'instant, ouais. L'écrou, et on lui laisse régler. Je prends la bouteille, on y va. Non, non. Ouais. Tu veux là-bas? Ah oui. Tu veux un câlin à la moto? Après, quand je ne l'avais pas vu, Ils ont tous vu. Nah, putain. Vous voulez être sûr de pouvoir le faire pour un moment, faire 2, 3, 2. En fait, lui, il s'en fout d'être braque avec le pied derrière, il reste à fond. Ah ouais, ils s'en foutent. De retour des essais, je fais le deuxième temps overall. Ça donne Greg Aranda en 43-0, moi en 43-3, Josh Hill en 43-4. Madou en 43-8, donc très serré, on est 4 pilotes en 43 secondes et c'est un gros terrain, c'est très technique, donc c'est facile de faire une erreur, mais voilà, il faut rester très très lucide. C'était dur, vraiment dur d'enchaîner 2-3 tours rapides. Maintenant, il y a la manche de Jules Piètre, on va aller voir ça. Il a fait n'importe quoi au chrono, il s'est mélangé avec les horaires, les 10 minutes et tout ça, et du coup, il a fait qu'un tour chrono, il est 5e. L'ordre, c'était surtout de faire sur le podium, voire un top 5, mais sur le podium, il en est largement capable, même... en roulant à 80%, donc on va voir ce qu'il va faire. Allez, gars. Putain, il doit effectuer un long lap. Qui? Binder, mais ils sont déjà arrivés donc il le fait pas. Ouais, c'est le même. Si, Fabio, il fait 3. Ouais, du coup, Porto. Pour ceux qui se demandent qui c'est Yannick Ongaro sur tous les NXGP, quand Jean-Christophe Vasquetto il parle de Yannick Ongaro, il est là-bas. On va lui dire bonjour Yannick. C'est le président du motoclub de Brilhant. Bonjour, nouvelle édition de la Supercross, ouverture
venu à Clermont-Ferrand. Faites un maximum de bruit. On est en loge, on est en première loge, j'ai envie de vous dire. Allez, c'est parti pour la deuxième. Excellente sortie de grille de Cédric Soubiras. Anthony Bourdon est reparti également. Tomado à l'intérieur qui prend la deuxième place. Cédric Soubiras, Tomado, Anthony Bourdon, on y va. Quelqu'un de leur passe, on va se passer dans la position de l'arrangé. Et la Marseille est reparti quatrième. Allez, Cédric Soubiras qui met l'avance. Bourdon est deuxième, Tour est troisième. On a ballongé juste derrière, Jason Capo qui suit. Allez, on va voir les passages dans les groupes, c'est notamment celui-là tout à l'heure que les meilleurs pilotes faisaient la différence. Et c'est Cédric Soubiras qui a fait une chose. Tout de suite, il va réattaquer les contre du bas. Et Cédric Soubiras va essayer de garder les trajectoires dans le milieu. Et il est tout à l'heure qui vient. Et on va le regarder, Tomado. Allez, on a tout le temps pour pas tomber, mais t'inquiète, là-haut.
Il a, quand il a fait son 3-3. Ouais. Ouais, mais sur l'enchaînement avant. Sur l'enchaînement avant. Bon, mais stoppé net. La prochaine fois que tu fais les. Non, mais ça sert à rien. Eh oui, mais en fait. Il y a un moment, t'as l'argent, t'as deux montants d'avance et tu l'attends. Mais ça, je croyais en fait, j'étais juste derrière moi, mais pas du tout. Mais il y a un moment, occupe-toi de rouler devant, ça n'est pas les couilles. Tu le sauves, tu sauves ta place une fois quand t'es côte à côte. Mais c'est pas académique, ça c'est. Le gars il fait ça devant moi, mais la d'après, il est dans les tribunes. Après, tu gagnes, t'as fait le tap, ça, rien à dire. T'as été battant jusqu'au bout, t'as eu la caisse, t'as pas fait d'erreur. Ton seul point noir, et c'est dommage que j'appuie que sur ça, mais là, ce truc de regarder tout. Ça, fais-le une fois, t'es jeune et tout, mais essaye de plus le faire, presque plus. Dans le tout. Merci beaucoup. T'arrêtes pas la lumière. Tu le recules. Franchement, Peter, on voit que c'est ta fille. Quand elle fume comme ça. On voit que c'est ta fille. Celui qui gagnait en junior, il avait sa taille en pneu. Pirelli. Oh, oui, maintenant on n'aurait pas eu grand chose. J'entends plus rien là. C'est un vieux Swan. Ah ouais, de fou. Arrête. Allez, allonge-toi. Ah ça, c'est pour avoir regardé derrière. Allez, bon appétit là. Ah ouais, c'est ça le modèle. C'est toi. Ah, t'as vu? Dans le hein. Avec une moto qui marche, tu pars en deux et tu sors avec une moto d'avance. Voilà. C'est toi qui reste à manger. À l'envers par rapport aux autres. Non, je suis mort. Moi, j'ai un vrai super healthy. C'est végétarien. Ouais. Ouais. Il est 1h du matin, tout est rangé. On est parti du stade. Aujourd'hui, c'était une journée dure. Pas toutes les courses se déroulent comme on veut, mais bon, on a tiré le meilleur, on est sur le podium avec notre petite structure MM85 CBO. Et c'est ça le plus important, c'est qu'on marque des gros points. Le championnat est beaucoup plus long que les autres années, on va avoir 7 ou 8 finales. Départ top et mauvais choix au premier virage, c'est complètement de ma faute. J'ai voulu aller à l'extérieur et en fait, j'ai fait n'importe quoi, du coup je sors 6 et 6-7 même. Et puis je remonte 3ème avec dans la route de Josh Hill et en doublé les pilotes à bloc jusqu'à revenir sur Anthony Bourdon. Il a eu le temps de passer et moi j'étais un petit peu court. Ouais. C'est pas grave, 3ème, c'est le gros point. Il n'y a plus personne. À 10h25 le lendemain. Et voilà.
Avance un peu, on lui a dit. Un peu. Lourdos. Tu es combien là maintenant? 80 kilos à peu près, non? Ta gueule, ça va. Travaillez. Capel. C'est le chapeau pour la semaine prochaine, ça. C'est Stéphane. Yes. Non, mais t'as vu comme tu fermes la porte? Sinon, elle ferme pas. Non, mais oh. On n'est pas trop serré dans les Fiat Ducato. Alors hop, pour que vous compreniez, je suis au fond du siège, j'ai les genoux dans le volant et j'ai le siège reculé à fond. Ainsi se termine cet épisode numéro 5 de cette saison 2. J'espère que ça vous aura plu. Pensez à vous abonner. La prochaine pour nous, c'est Birmingham, c'est le week-end prochain. C'est en Angleterre, c'est le World Supercross, on sera sur la Kawasaki Pod Racing. Et ensuite, pour le SX Tour, c'est Saint-Tibéri. Mais attention, n'oubliez pas, le 8 juillet, Châteauneuf-les-Martigues, le Pro Exis, l'ouverture. Voilà, je vous donne rendez-vous sur ces vidéos, et puis pourquoi pas sur les terrains. Allez, à bientôt, ciao ciao.